fois, une petite pouliche nommée Secret. Ses parents étaient morts peu après sa naissance à cause d'une maladie qui avait contaminé tout le troupeau. Secret habitait donc seul dans une petite cabane à côté de son troupeau. Sa seule amie était Mélodie, sa peluche qu'elle disait magique. C'est comme ça que les enfants de son âge se moquaient d'elle et la laissaient toute seule, sans amis. Ce fut la veille de Noël. Triste de ne pas avoir de cadeau, elle comprit qu'elle avait raison. Bon, et ben, bonne nuit, Mélodie. Demain, Noël sera une journée comme les autres pour nous. Mais où suis-je? Mélodie, c'est toi qui m'as amenée ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Mais où est-ce qu'on est? Emballage du cadeau numéro 30. Par ici. Un petit peu plus haut, s'il te plaît. Dégagez le passage! Restez pas en plein milieu, bon sang! Reste sur moi, Mélodie. Mais où est-ce que je suis tombée? Où suis-je? Vous ne savez pas où vous êtes? Non. Mais au pôle Nord, bien sûr. Dans la maison du Père Noël. C'est qui cette petite? Tu crois que je sais tout? Toi qui dis tout le temps être intelligente, mets-toi au travail tout de suite. Tu n'es pas mon chef, donc toi aussi. Si, je suis le chef. N'importe quoi, wow. T'es même pas mais le chef. Mais qu'est-ce que je fais là? Très bonne question. Qui êtes-vous? Je m'appelle Secret. Et j'ai atterri ici alors que j'étais chez moi. Bizarre. Je vais t'emmener au chef. Le chef? Bien. Attendez-moi. Je te laisse. Toque à la porte et entre. Hein? Qui êtes-vous? Je suis Secret. Que faites-vous ici? J'étais chez moi et Mélodie m'a amenée ici. Ensuite, quelqu'un m'a amenée chez vous. Ça doit être un de mes lutins. Mais Mélodie, qui est-ce? C'est ma peluche. Elle s'est allumée. Et vos parents ne vous ont pas vu partir? Je n'ai pas de parents. D'amis d'ailleurs. Oh, je suis désolée. Viens à côté de moi. Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël? Être comme tout le monde. Avoir une famille. Avoir des personnes qui nous aiment. Ah. Allons au traîneau. Il faut que je parte. Je vais te déposer en même temps. Ah, merci. Où habites-tu? Ici, dans la cabane. Eh bien, au revoir, ma petite. Passe un joyeux Noël. Merci, Père Noël. Au revoir. Oh, me voilà ici. Oh, chérie, te voilà enfin. Papa, maman, vous êtes là? Oh, on t'a tant manqué que ça? Tu étais juste partie 5 minutes avec tes amis. Mes parents, mes amis. Ah oui, bien sûr, oui. Merci Père Noël et merci Mélodie.
Tu dis quoi ? Oh non, rien, rien. Et c'est ainsi que Secret et sa famille vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.